Ben voilà, on va mettre le public ici. Hein. Puis la scène, on va la mettre là. À moins qu'on fasse le contraire. Bonjour à tous. Ben oui, avec Marie Sosso, on est dans l'organisation du 28 juin. Hein. Ben oui, parce que c'est l'inauguration de la ligne E. Après des années de travaux, enfin l'exploitation commerciale de la ligne E. Et alors là, vous allez en prendre plein les mirettes, plein les yeux, puis plein les oreilles aussi, parce qu'il va y avoir de la musique, ça va être génial. La fête partout, tout le long de la ligne E. Tiens, là-bas, je vais voir la station. À tout de suite. Et bien, pour commencer, comme c'est la fête le 28 et 29, tous les transports à Grenoble sont gratuits. Voilà, vous pourrez venir directement partout de Grenoble sur la ligne E pour faire la fête. Et pour faire la fête, bien évidemment, de la musique. Et puis alors là, toute la journée, dans les stations et même dans les tramways, il y aura des fanfares qui vont mettre le feu, la grosse ambiance. Et ils vont nous jouer du jazz, du blues, du rock, très burlesque, très drôle, on va se poêler. Il y aura également la compagnie Tout en Vrac, une compagnie de théâtre grenobloise qui nous a préparé plein de scénettes, plein de sketchs et on les verra toute la journée, on va s'éclater. Et le concours Plus belle la E, c'est pas une bonne idée ça? Alors vous prenez votre téléphone, un appareil photo, n'importe quoi qui fait des photos. Vous prenez des photos du tramway, la plus belle possible. Vous la postez sur le site www.letramestavous.com. Et alors là, vous en parlez à tout le monde. Les amis, la famille, les copains, tout ça. Vous leur dites, votez pour ma photo, bah, si elle est belle. Hein. Et la plus belle photo, les plus belles photos gagneront des abonnements. Hein. Voilà, un an de transport en commun gratuit à Grenoble. Et pour ma plus belle, la E, hein. Alors ? Et après, les fanfares, le théâtre de rue, les expositions photos, les concours photos, le gros de la soirée, le concert. Avec plein de musiciens, ici, place de l'Esplanade. Et le roi de la soirée qui va venir mettre le feu hein, à l'Esplanade, ben c'est Gaëtan Roussel, l'ancien leader du groupe Louise Attaque. Alors là, ça va être la folie ici. Hein. Gaëtan Roussel, c'est à 22h et à 20h45, il y aura Christine and the Queen. Voilà, bah c'est de la pop, hein. Une artiste qui commence à marcher très 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 fort. Et à 19h30, début du concert, et en première partie, et c'est un artiste formidable. Forcément formidable, il est grenoblois. D'ailleurs, on va aller le rencontrer tout de suite, il s'appelle Piero Quintana. Ah, je crois que ça répète là. Hein. Piero. Alors je vous présente Piero Quintana. Bonjour Piero. Alors c'est Piero, c'est toi qui vas avoir l'honneur et l'avantage de débuter la soirée du concert du 28 juin. Voilà, ouais, je serai le 28 juin à 19h30 à l'Esplanade de Grenoble. Donc ouais, c'est super pour moi de faire une scène comme ça sur Grenoble. En plus, tu joues à la maison, parce que tu es grenoblois. Ouais, je suis grenoblois et ça va être une des plus grosses scènes que je ferai donc ce jour-là. Donc toi, ça fait, t'es assez connu sur Grenoble quand même, ça fait très longtemps que tu fais de la musique. Tu nous racontes vite fait ton parcours. Bah, j'ai eu trois groupes là, depuis les années 90 qui ont duré chacun une dizaine d'années. Là, je fais un truc un peu en solo. Enfin, on est deux sur scène sur la majorité des concerts et parfois en solo. Et voilà, ça fait à peu près 25 ans que je joue partout en France, en Espagne et surtout à Grenoble. Et donc les gens de Grenoble qui vont te découvrir, pour ceux qui ne te connaissent pas, ils vont pouvoir te suivre aussi le reste de ta carrière. Cet été, qu'est-ce que tu fais? Je fais Musilac, je fais les rencontres Brel, je serai aussi présent sur le festival du cabaret frappé dans le Zigbus. Puis autrement, il y a ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est le nouveau disque qui est sorti, donc mon deuxième album en solo, qui s'appelle De Novo. Et c'est un 8 titres voilà, qu'on peut trouver après les concerts et puis sur Internet aussi. Donc c'est rock et tu chantes en... En espagnol à la base, puis il y a de l'anglais aussi depuis très, très peu de temps. Donc il y a 4 titres en anglais dans le nouveau disque. Et c'est du rock, c'est essentiellement du rock et électro. Écoutez, l'espagnol, ça va. Et l'anglais, ça va l'accent, c'est bon? L'anglais, il y a encore du boulot, mais c'est le début, mais ça va. Ça va. Bon, je vais te laisser répéter. On se retrouve le 28. J'ai besoin de bosser, là. Merci, Piero, à bientôt. Bon voilà, c'est la fin de Ça se trame chez vous. Je vous donne rendez-vous le 28, le 29. Le 28 pour le concert super Place de l'Esplanade. Une belle inauguration en prévision pour la ligne E. Moi, je vais rester là pendant les répétitions. J'aime bien ce que fait Piero. À bientôt, ciao.